Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble le filet de bœuf des moutardiers. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a ici une belle pièce de filet de bœuf, 4 échalotes, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cœur de laitue et un petit peu de persil. Donc dans un premier temps, on va réaliser évidemment la petite croûte qui va ensuite sur le filet de bœuf. On commence d'abord avec notre petit robot à mettre le persil. La margarine végétale donc à base de soja. La chapelure. Et puis les échalotes. Et pour terminer, la moutarde. Voilà, donc on a vraiment maintenant une belle texture. Poêle préchauffé. Un petit peu de margarine pour cuire et rôtir. On monte à une belle chaleur jusqu'à une légère coloration. Et on est parti pour la coloration. Voilà, on a une belle coloration, on retourne la viande. Voilà, nous on veut une viande bleue, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant retirer la viande, baisser le feu. Regardez, on va prendre notre laitue ici, quelques feuilles. Et on va utiliser, hop, toute la chaleur résiduelle de la poêle. On va venir tartiner notre filet de bœuf. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous remettez dans la poêle et là on va aller au four pour environ 4-5 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est juste ce qu'il fallait ça. Voilà, donc vous avez vu, hein, la laitue a servi en fait à protéger aussi la viande du contact direct avec la poêle. Ça se découpe tout seul, vous avez vu, ça tient, ça parfume, ça protège la viande, enfin ça a que des qualités. Et regardez la viande à l'intérieur, elle est moelleuse surtout. On va terminer ici avec notre cœur de laitue. Donc, c'est à vous de jouer, hein. Reproduisez un petit peu la technique. N'hésitez pas à varier, encore une fois, changer de la moutarde pour un autre condiment. Variez aussi les herbes. Vous faites vos propres recettes, vous les prenez en photo. Vous notez bien toute la progression pour qu'on puisse les refaire. Et vous les publiez sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.